Bonjour, vous êtes un stagiaire à la bibliothèque de l'Alliance. Je vais vous demander comment vous vous appelez et d'où vous venez. Bonjour, je m'appelle Leonard Leutzer, j'ai 19 ans et je suis un travailleur d'Autriche, de Klagenfurt. C'est un petit village. Très bien. Leonard, pourquoi êtes-vous venu à la bibliothèque de Paris? Dans quel cadre êtes-vous venu? J'ai venu à la bibliothèque de février à fin de juin. C'est part d'un service d'Autriche. C'est un travail que je fais. Et ça, it has something to do with the history of Austria, with remembering the history of Austria, and I'm trying to do my service here. Okay. C'est un service donc lié à la mémoire, à la mémoire liée surtout à la mémoire de l'histoire du peuple juif en liaison avec l'Autriche. Avant de venir à Paris, vous aviez fait un autre séjour. Où étiez-vous? J'étais 5 mois au Brésil aussi, à Petrópolis, presque de Rio de Janeiro, où j'ai travaillé pour 5 mois dans un musée sur un auteur très, très fameux, famous, d'Autriche, qui s'appelle Stefan Zweig. Et là, j'ai fait des tours avec des visiteurs. Oui. Vous avez travaillé donc dans une bibliothèque. C'était la première fois pour vous. Qu'avez-vous appris déjà sur le travail de la bibliothèque et des archives? Oui, c'était la première fois pour moi. Spécialement dans cette bibliothèque, j'ai appris beaucoup sur la culture juive et aussi j'ai appris beaucoup que le travail d'une bibliothécaire n'est pas seulement analogue, mais aussi digital. Et j'ai eu la chance de connaître beaucoup de bons gens et oui, d'apprendre comment une bibliothèque fonctionne à l'interne. Quels seront vos meilleurs souvenirs de votre séjour à Paris? Qu'est-ce qui va vous marquer? That's a difficult question. For me personally, of course, being Austrian, knowing a lot more about Jewish culture, of course, being like we had the chance to visit the synagogue, to be part of a ceremony, a Jewish ceremony for me, which was also the first time, which was very, very impressive. That was really an eye-opening event for me. And also, I guess, appreciating history, memorizing history and learning from it, I guess. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.